Et salut les amis! Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle on va faire des expériences Minecraft. Donc, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Aussi, je vous invite à aller voir tout mon contenu sur ma chaîne YouTube. Je fais de tout, donc de l'unboxing, un peu de Playmobil, un peu de gaming, de tout en fait, voilà. Donc là, un nouveau format Minecraft avec un décor en intro, comme vous pouvez le voir. Donc il n'est pas totalement fini, voilà. Il n'est pas assez grand. Et du coup, j'ai fait un petit concept. Je pense que je vais vous demander à ce que dans les commentaires, vous me mettiez plein d'idées pour décorer, je sais pas, des étagères, des têtes de mobs, des trucs de genre, plein de trucs pour commencer à décorer si vous voulez changer les murs. Vous pouvez écrire en commentaire. Donc voilà. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale. Ça va pas être créatif comme les autres parce qu'on va faire plein d'expériences drôles sur Minecraft. Voilà. Donc on va faire pour la première expérience. Bien évidemment, je l'ai trouvé avec un ami. Il nous faut du sable. Du sable. Où il est le sable? Je ne sais plus où il est. Il est. Donc cette expérience, elle est vraiment. Je l'adore. Donc pour ça, il faut creuser un trou dans la bedrock. Donc c'est pas faisable en survie du coup. Et regardez si on pose ce sable. Non, ils ont pas. En fait, c'était censé aller jusque là. Donc voilà, là. Vous voyez, je peux marcher. C'était censé tomber, mais je sais pas si ça marche comme en normal, ça. Je pense, hein. Bon. Vous pouvez reproduire ça chez vous. Donc, première expérience. On va mettre un bloc rouge à côté. On va mettre du béton, ça fait plus joli. Quand une expérience est loupée, on va mettre un bloc rouge et quand même elle est réussie, on va mettre un bloc vert. Voilà, ça va marcher comme ça les vidéos expériences. Donc c'est parti pour la deuxième expérience. Il faut d'abord faire une tour de n'importe quel bloc, une très grande. Voilà, pour que ce soit plus marrant, vous pouvez aller à la hauteur maximale. Et bon, là, j'ai pas de deuxième joueur pour être en écran partagé. Du coup, il faut prendre un œuf, donc n'importe lequel. De préférence, soit un zombie momifié. En fait, c'est un peu ceux qui ont une forme humanoïde. Donc, piglin, villageois, villager, j'ai jamais testé. Vindicateur, je sais pas, j'ai jamais testé. Et voilà, vous spammez comme ça. Vraiment, vous spammez. Vous pouvez rester comme ça assez longtemps. Donc, ça va être très marrant cette expérience. Ça aussi, je l'ai découvert avec un ami. Donc, attention. Voilà, quand vous en avez assez. Voilà, vous en frappez un, et là, bam! Voilà, une pluie de... Ça fait une pluie. C'était trop bien. Oh, les deux survivants. Hop, hop. Donc, pour tester, pour cette expérience... Expérience réussie. Donc, voilà. Ensuite, on va faire une autre expérience. On va avec un warden. Donc là, cette fois-ci, à partir de maintenant... Ça va vraiment être des expériences que je suis et que j'ai l'idée sur le moment. Donc avec le Warden, il y aura beaucoup d'expériences juste avec la TNT. Donc voilà, voilà. TNT, hop. Et là, briquet. Briquet. Ok, voilà.
Donc, on va faire une cage en TNT. Donc là, ça va être vraiment les expériences qui vont tout démolir. C'est-à-dire les expériences de démolition à TNT. Et avec un ami, on avait posé... Oui, celle-là, elle est encore avec un ami. Mais c'est une... Je sais pas si c'est un bug de version, mais je vous laisse avec ce qui va se passer après. On avait posé des centaines de TNT. Bon, là, on va pas poser des centaines de TNT, bien évidemment. Ce serait trop compliqué. Donc, on va quand même en poser pas mal. On va faire une belle cage, hein. Donc, clac. Tiens, d'ailleurs, la TNT, elle est rouge. Comme le bouton s'abonner, où vous pouvez cliquer dessus. Voilà. Technique de force. Voilà, donc... ouais, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne et à liker. Ça ferait extrêmement plaisir, surtout que... Il y a du contenu là qui va venir. Et d'ailleurs, cette explosion, je pense que je vais la faire pour 2023 parce que si vous habitez dans une autre dimension, ce qui n'est normalement pas le cas, et ben on est en 2023. Voilà. Donc c'est. Hein? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je peux pas le poser? Mon warden! Ce n'est pas possible! Attends, quoi? Mais quoi? Au pire, c'est bien ça! Hurleur Shulk qui fait apparaître le warden. Oui, c'est ça! Ça va le faire. Ouais, bon, normalement, ça fait apparaître. Oh non, c'est vrai, il faut utiliser ce truc-là! Ça va appeler le Warden, normalement il devrait apparaître. Allô? Mais c'est impossible! Attends, non, 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 non. Dites-moi si sur vos versions ça fait la même chose. Pourtant je suis pas impaisible. Je vais quand même aller vérifier dans paramètres. Quoi, paisible? Mais pourquoi j'ai réussi à poser des vindicateurs? Je sais pas. Mettre en normal. C'est trop bizarre, j'ai réussi à poser des vindicateurs alors qu'ils sont agressifs et j'ai en paisible. Ah ouais, trop chelou. Ah, ça m'a fait peur. Je croyais qu'on pouvait... Désolée pour vos oreilles, baisser le son. Je vous conseille... Parce que ce Warden... Et vraiment paramètre, paramètre. Parce que moi aussi là j'ai mes oreilles qui sont en train de d'exploser. Voilà. Oh. Regardez, je vais mettre plein de TNT. Donc vraiment les gars, tourner, on va faire un truc avec mon ami d'ailleurs, une autre vidéo, ça va vraiment être une autre vidéo parce que c'est assez long à préparer. On avait fait une ultra bombe nucléaire, on a tout défoncé, on avait mis je crois 300 TNT en un cube et le village il était rasé. On avait peut-être qu'il l'a tué, d'accord, au moins on... Plus expérience en a, hein. On sait que le Warden tue les mobs à travers une cage. On le sait maintenant. Donc, pour les plus courageux, je pense que vous pouvez essayer de compter le nombre de TNT que je pose, comme ça vous pourrez me le dire. Après, si vous n'avez pas envie, je vous laisse avec la vidéo, évidemment, avec l'expérience. On a bientôt fini parce que là, c'est la dernière coupe de TNT qu'on pose. Pour être bien sûr que tout explose. Par contre, il fait peur le Warden. Hein. Le bruit qu'il fait. Mais je viens de me dire, ça va pas te péter mon décor qui est tout là-bas.
C'est parti les gars. Préparez vos oreilles. Quoi? Mais quoi? Mais non! Je suis trop déçue. On va le mettre dans le void. Il va rester longtemps comme ça. Bon. Dommage, je pensais qu'on aurait pu tuer le Warden. Par bouclier de vol quand même. Je pensais qu'on aurait pu vraiment tuer le Warden. Hein. Alors quand même, bon, voilà. Il est toujours pas mort. Ah ouais, il est chaud quand même le Warden. Hein. Bon, quand même, on va se passer la nuit. Voilà, comme ça. Est bien. Et du coup, je pense que je vais faire une expérience. Mettre un lit. Voilà, donc deux lits. À côté de la neige poudreuse. Nouvelle expérience pour voir qu'est-ce qui fait résister mieux aux dégâts de chute. À côté où il sait, je trouve plus la paille. Ah là, voilà. De la paille et encore à côté du slime. Donc ça, la neige poudreuse, du slime et pour finir du foin. Voilà, on va faire une tour de n'importe quel bloc, prenez de la coupole, je sais pas moi, tout ce que vous voulez. Donc une tour de ces blocs, assez haute comme ça, normalement on demeure des dégâts de chute, on est d'accord. Donc, on a tout ça, et maintenant on va se mettre en survie, paramètres, survie, je vais faire une bêtise, alors le lit, ok, ça met 4 coeurs de dégâts à cette hauteur, ensuite, comment on va remonter, j'avais où, sérieux, non, attendez, sérieux, vraiment que je pense à tout dès le début, c'est vraiment important. Oh, il n'y a pas d'échelle ici. Merci. Hop là. Voilà, comme ça, on est sûr. Donc le lit, on a vu, on a pris 4 coeurs de dégâts. Paramètres. Survie. La poudreuse, on le garde à la fin parce qu'on a des chances de mourir dans la poudreuse. Le slime. Je pense que c'est infini le slime. Donc le slime, c'est infini. Le foin. Le foin. Ok, ça... Voilà, ça m'a mis un cœur. En attendant, le pire, c'est le lit. Et ensuite... Oh là là, la poudreuse. Infini aussi. Ok. Bon bah au moins on le sait. Bon. Donc, le lit, 4 coeurs de dégâts. La neige poudreuse, infini. Le slime, infini. Et le foin, 1 coeur de dégâts à cette hauteur. Donc voilà. On a la réponse. Donc le plus efficace, c'est bien évidemment le slime et la poudreuse. Bon, l'eau, on le savait déjà. Donc j'ai pas essayé de le faire. On va se remettre en créatif. On va bien évidemment se prendre. Et ah, cette expérience est cool. Donc, je sais pas si je vous ai appris des choses pendant cette vidéo. Quoi? Bon, apparemment, j'en vois.
arbres, après des choux. Donc le monde ne ressemble plus à rien. Je vous le rappelle, bien évidemment. Si. Mais c'est pas possible. Arrêtez. Mais what? Je. What? Ah oui, d'accord. Donc je vous le rappelle, si vous voulez que ce décor change au fur et à mesure, vous pouvez le dire dans les commentaires. Si vous voulez rajouter des étagères, de quel bloc, si vous voulez changer le sol, si vous voulez mettre des têtes de mobs, je sais pas, un lit comme ça, ou plein de choses. Donc vous pouvez le changer à votre façon dans les commentaires. Je le ferai avec plaisir. Donc, on va bien se placer dans le décor. Pour bien voir, surtout, ouais. Donc, je sais pas si je vous ai appris des trucs pendant cette vidéo. Donc, si vous avez appris des trucs, n'hésitez pas à me le dire. Et juste avant, il faut retenter l'expérience avec le sable. Voir si c'était à cause du mode paisible. On va retenter l'expérience, bien évidemment. Donc je sais pas si je vous ai appris des choses pendant cette vidéo. J'espère, en tout cas, ça me ferait vraiment plaisir d'apprendre des choses. Et des trucs drôles à refaire avec vos potes. Et malheureusement, non, ça a été patché. Pas grave. Bon. En tout, je crois d'abord... mon monde Minecraft est tenté. Et surtout que je vois plus les autres expériences du tout début. Ça devait être là. Ouais, et là, bon bah ça c'était rouge, vert, vert, rouge. Au moins on a égalité, hein, franchement, voilà. Deux expériences qui ont raté, deux expériences qui ont réussi. Donc. C'était tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, lâchez votre plus gros pouce bleu et abonnez-vous!